Moi, Joseph Kabila, président de la République démocratique du Congo. Joseph Kabila, jina lake halisi kabisa la kuzaliwa, Hypolite Kanambe. Unaweza ukajiuliza baba yake ni nani? Swali ambalo wengi wao wanajiuliza. Baba yake Joseph Kabila wa kumzaa kabisa anafahamika kwa jina la Adrian Christopher Kanambe, alikuwa ni swahiba mkubwa wa Laurent Desire Kabila. Hata kwenye résultat d'une enquête de plus d'un an sur la fortune de la famille du président Kabila. Des dizaines d'interviews et des milliers de documents d'entreprise ainsi que des documents judiciaires révèlent que Joseph Kabila et sa famille ont constitué un gigantesque réseau d'entreprises qui s'étend dans tous les secteurs de l'économie congolaise et qui a rapporté des centaines de millions de dollars à ses membres, dit Bloomberg. L'espace aérien congolais est fermé. L'espace aérien congolais est fermé. Est fermé. Tout ça sur ordre de Nani Rwandais. Bonjour, tout bonsoir, binotou. Vous allez déjà abonner, tout vous allez continuer à s'abonner massivement à notre nouvelle chaîne Oyo ya YouTube, Congo-Bar États-Unis. En tout cas, vous partagez ma vidéo et que ça va très bien. Alors, peuple congolais sont retardés, n'est-ce pas, dans titre. Je vais entamer cette émission, la lobby que vous allez mission une fois par semaine. Pour la réflexion, d'habitude surtout, bah, congolais, parce que nous congolais, on a l'habitude de trop oublier facilement, on oublie la chose et tout bon c'est l'habitude tout comme qu'on s'est concentré na makamunususu. Alors je lis et puis tout ça et moi analyse ensemble les origines cachées de Joseph Kabila jusqu'à son accession au sommet de l'État congolais. Relecture. Alors les origines. Joseph Kabila, de son vrai nom, Hippolyte Kanambe Kazemberembe, est né le 4 juin 1971 ou 71 d'un père rwandais nommé Christopher Kanambe et d'une mère rwandaise Marceline Mukambukuji. Son père fit un opposant à l'ancien président rwandais Juvenal Habyarimana. Il y rencontra Laurent Désiré Kabila, opposant de l'ancien président Zaïrou Mobutu, dont le mouvement de résistance basé dans les montagnes à la frontière rwando-zaïroise, d'où ils se sont battus contre leurs ennemis communs, Mobutu et Habyarimana. Ça c'est comment est-ce que papa ya Kanambe Outa Kombonaye, Christopher Kanambe. Alors sa mère, comme on les a dit, Marceline Mukambukuji. Donc, ce n'est pas sa vraie mère. Donc, ils ont dit qu'il y a un semblant pour tromper la vigilance des Congolais. Alors, il y a eu à Botama le 4 juin 1971 ou 1971. Montana, donc, Bisika Oyo, papa n'a pas été opposé à la président Habyarimana et à Rwanda.
Alors, tel moyen de combattre à Dialimana et Zalakite, alors à Kimaki dans la montagne à Congo, et bah, Salaki front, Mouzé Kabila qui combattait Mobutu, et Yepet envoyé à profiter de Kati, à celle de la coalition, elle m'a attaqué Rwanda, elle m'a attaqué Congo. Alors, suite à Zaboué, Balobi Boué. Après la mort de son ami Christopher Kanambe en 1977, Laurent Désiré Kabila est marié selon les coutumes traditionnelles à la veuve de Christopher Kanambe. Marceline et adopte ses deux jeunes enfants jumeaux, une fille et un garçon, Jenny Kanambe et Hippolyte Kanambe. Donc, ce qu'on dit Jenny Kanambe, c'est Jeannette Kanambe, de son vrai nom, c'est Jenny Kanambe et Hippolyte Kanambe. Après, il y a papa Nabango, Naba Koutim, le col des Alaka, à Salim Mariage Koutimé, et il y a Zumo Siwana, à Zupenapanan, à Mibale. Alors, Laurent Désiré Kabila, qui avait plusieurs femmes, dont plus de 13, ce qui n'a pas s'est mêlé, 13, quand il est entré dans la clandestinité et dont il a eu un certain nombre d'enfants, plus de 25, je suis tout le monde a raté, n'avait pas le temps de prendre soin d'Hippolyte Kanambe et sa sœur Jenny Kanambe. Alors, à ce qui soit dans la bangote, alors, Batouana, tellement mousé, basse et belé, bande et belé, et ils arrivent à la clandestinité comme Mbisa Mobutu. Alors, moyen de soins, il y a des soins. Alors, comme il n'a pas été en mesure de terminer ses études au-delà du niveau secondaire, le jeune Hippolyte Kanambe a été contraint de faire plusieurs emplois, parmi lesquels taximan, barman, mécanicien, vendeur à la sauvette, dans les villes tanzaniennes de Dar es Salaam et Kigoma. Il a le col à 6 ans, il a cité, à Kinaï Kosala, Mistala, le col à Zaki, le col à barman, à Zaki, le col à taximan, à Zaki, mécanicien, vendeur à la sauvette, et puis à Salamon, à Dar es Salaam, en Tanzanie, et puis à Kigoma, à Rwanda, je ne sais pas. Alors, en effet, son père adoptif, papa Naya Botaye, adoptaye plutôt Mouzé, en tant que beau-père, Laurent Désiré Kabila, vivait avec toute sa famille en exil en Tanzanie. Pendant l'enfance et l'adolescence du Kanambe, Bakola na bango bango na surtout na kata Tanzanie. Alors, en 1900, qui vivait tout en Tanzanie, Kabila a passé plus son temps en exil dans le trafic de l'or et du diamant plutôt que la lutte contre le régime de Mobutu. Papa, ou bien Laurent Désiré Kabila, au lieu à ça la lutte, n'inga Kimbila qui a contre Mobutu. Lui s'est focalisé, il y a quoi que la matière première dans le Congo, à son côté canaille dans le pays voisin, donc comment il y a homme d'affaires. Alors, qui souvent l'a amené à traverser le forêt et les montagnes de la Tanzanie, le Burundi, le Rwanda et l'Ouganda pour exercer son entreprise frauduleuse. C'est-à-dire dans ces endroits où il y a un musée, avant d'être au salami salanaye. Retour au pays natal. En 1995 ou 1995, Hippolyte Kanambe, ou Abengi Joseph Kabila, décide de revenir à sa patrie, le Rwanda, où il est accueilli par son oncle James Kabarebe, le colonel et chef de service de renseignement de l'armée patriote rwandaise, qui l'accueille dans sa propre maison. On a 5 Kanambe à Zongi dans le Rwanda, Nana Yambiye, James Kabarebe, ou Webi Akomagi, chef d'état-major dans Katakongo. Neve Naya hier, à Yambiye, bras ouverts. Écoutez. Dans un premier temps, Kabarebe trouve pour son neveu un emploi comme chauffeur d'un camion de livraison et transport de marchandises à Kigali avant de l'employer comme son chauffeur privé. James Kabarebe a joué le salaire de la chauffeur et à ma transport. Après quelques temps, a commissionné chauffeur Naïmogo privé. Alors, si on continue, en 1996, lorsque les Américains lancent l'opération militaire pour préparer l'invasion d'Isaïe, Paul Kagame nomme le colonel James Kabarebe en tant que chef des opérations militaires et responsable du fichier Zaïre. Il supervise le recrutement et la formation de nouvelles recrues de la base militaire. C'est ainsi qu'il insère son neveu Hippolyte Kanambe au programme de formation afin de l'incorporer à un statut ultérieur à l'opération de l'évasion d'Isaïe qui est amorcé. Donc c'est-à-dire,
tant que l'Américain a créé par Kagame basali plan pour faire l'invasion à Congo, à Zaïre à l'époque. Kagame, c'est James Kabarebe, il y a chef d'opération. Alors, chef Kabarebe a commis recruté une nouvelle recrue. Et la Katiwana a pensé à l'élever dans Hippolyte Kanambe, à réinsérer et puis la Katia armée et puis pas sa formation pour n'avoir à contacter Congo, tout va envahir Congo. Hippolyte Kanambe a servi dans l'armée rwandaise en 1995. Kanambe Hippolyte, on va bénir la combo à Joseph Kabila Lelo, à Sala, na armée à Rwanda, en 1995. Plusieurs témoins ont également insisté sur le fait incontestable que alias Hippolyte Kanambe Joseph Kabila parle au couramment Kina Rwanda, la langue vernaculaire du Rwanda. Abi que batebele batemwana ou ba vanda proche ya Kanambe Joseph Kabila qui alubaka réellement soit zobeta Kina Rwanda. Donc même écoute ba Rwanda ba moko ba kosa. Il parle très bien Kina Rwanda même na bande ko na tout bazala na katia parler wana. Donc c'est ça, Oyo, tu es venu à Kobouya, Hippolyte Kanambe. Alors, tu continues pour continuer, excusez, assassinat de Laurent Désiré Kabila. Ces zones sombres sur la mort de Laurent Désiré Kabila que personne ne veut éclairer. Naïbisa qui vient de monsieur et qui, à l'Igola, sa vérité était qui est l'auteur de la mort de Mosé, ont déjà versé beaucoup d'encre sans que le mystère qui les entoure ne soit dévoilé. Et là, mystère. Tu l'as beaucoup de hein? Je dis oh non, oui, que ça lui a partenaire langai, nako bimisangote o. Est-ce que ma chef, ma kambal, yambo que ma partenaire basala? Musée azala qui patrimoine national. Surtout quand on parle de la patrimoine du Congo, on ne tient pas compte de son amitié. Le gros a dit laisser kani mutuna mukimbo ogolobani. Alors, loin de nous, l'idée de fournir ici le cause cachée et l'identité définitive des véritables auteurs de cette tragédie qui fait désormais de la politique congolaise une saga. Cependant, tout en découvrant quelques circonstances qui ont précédé et suivi la tragédie de l'assassinat de Laurent Désiré Kabila jusqu'à l'accession de Joseph Kabila au sommet de l'État, nous ne pouvons qu'être inquiétés par la concordance, la cohérence, la convergence de ce fait qui les place au centre de la substitution. C'est-à-dire, ceux qui ont des détails et tout, le commissaire Kanambe qui président à Congo, ceux qui ont des détails, non, en tout cas, la soupçon est allée, la concordance est allée qui coordonnée, cohérence est allée qui, convergence est allée, qui est placé Kabila. Dans le centre de la suspicion, il peut être où il est l'auteur de l'assassin ou l'assassin de Mosé Kabila. Examinons donc les principaux éléments qui ont été fixés avant la tragédie proprement dite. Acte 1, Kinshasa, octobre 2000, arrestation de Madame Sifa Maniana. Parce que Kabila sera raillé ma casse. Acte 1, Maman Sifa Bakangie en octobre 2000. Maman Sifa Manyanya, présentée à tort comme étant la mère biologique de Joseph Kabila, est congolaise et c'est l'une de nombreuses épouses de déclarés ou connues de Laurent Désiré Kabila, avec qui elle a eu 6 enfants nommés Joséphine, Cécile, Massengou, Gloria, Kiki et Maggie. Oyo, bana oyo mouze, abotina mwasina et oua beni na komboya, Maman Sifa Baza 6. Joséphine, Cécile, Massengo, Gloria, Kiki et Maggie. Donc, Azan a la mobilité. Oh, Nazo Sabino, Eza vérité, allez-y vérifier. Maman Sifa, Bota, la mobilité. Ce qui est bon, c'est que vous Sabino, oh, le Bakanam, le Bamba, Bino, Eza aventure, la Luta. Donc, Bota, Nae, mon mobilité, Azan a la Sifi. Et puis, Bayo, on a raté Banan. Maman Sifa vivait avec son mari dans le palais de Marne, la résidence officielle de chef de l'État, quand à la fin d'octobre de l'année 2000, Laurent Désiré Kabila a un confort sévère après un repas. Mouze, Maman Sifa Zovana Mobali na yaba, ou mais il n'a pas si naba maki ba nini tout ça a bouma été, a tchela poison te. Parce que comme il a parlé de marbre, Maman Sifa servir Mobali na biloka koulia, avant d'avoir après biloka koulia, Mouza komi koyoka santé na yé, bien te. Comme yoka niti moba malaise. Voilà. Alors, tant a eu, a joui, ba malaise wana,
L'examen médical pratiqué immédiatement diagnostiqué un empoisonnement. Bah, il y a un examen médical. Il y a un poison. Ah! Les enquêtes menées par le personnel de la sécurité présidentielle soulèvent un faisceau d'indices sérieux qui convergèrent vers Mama Sifa qui sera accusée tentative d'assassinat de son mari et immédiatement arrêtée sur ordre de Laurent Désiré Kabila et emprisonnée à la prison de Makala dans la pavillon numéro 10. Après Mouzé, Ayoki Nengwana, Batunaye à personnel, Basali Banquette Babi, moi je suis comme Tachéli au poison. Mouzé aussi, imprudent qu'il était, a dit ah, yo moi si n'amo tchéninga poison. Au lieu de les tuer, à juillet, à Ménier, la prison à Makala, Batiye dans pavillon 10. Alors, acte 2, le 11 janvier 2001, l'exfiltration de Mama Sifa du centre pénitentiaire. Le 11 mars et 11 janvier 2001, donc à Oumelaki, Batiye dans octobre, donc elle passait même 3 ou 4 mois dans la prison à Makala. Derrière le dos de Laurent Désiré Kabila, Joseph Kabila organise l'exfiltration de la prisonnière de sa cellule avec la complicité du directeur de la prison, M. Kelly Dido, qui tourne. Tout le temps, il va participer à l'opération. Alors, Bango Baye, va compter les Mama Sifa la prison à travers le directeur pour gérer la prison Makala. Mama Sifa Manienne est immédiatement transférée secrètement à Lubumbashi où elle est logée dans un endroit tenu secret. Kabila Juillet a mémié à l'omolé na Makala et a accueilli na yena Sikamoko na Lubumbashi et puis bâti na Sikamoko ya secret. D'abord, depuis Jouana, Mama Sifa, Tikala Suskovan na Kisasate, elle vit toujours en cachette à Lubumbashi là-bas. Acte 3. Je n'ai pas attendu acte 3 awa. Peuple congolais, nous avons bandé l'ango, nous avons mis notre tour de ça, l'ango, vous voyez. Donc, veuillez me comprendre parce que nous avons un suspect final au Bahawa. Nous allons continuer à faire acte 2, semaine prochaine, le numéro de l'Abisho Oyo, parce que nous avons numéro 1. Deuxième numéro, nous allons continuer à faire parce que j'ai beaucoup à dire ici. Alors, voilà les premiers points. Deuxième point, c'est le richesse du président. Alors, ici, je vais faire la lecture. Parce que ça m'a quand même belé ça dans Kati Awa. Alors je vais faire juste la lecture. Il y a Makambu Yango Ndengezali, le richesse du président. Alors, on a sauté ma page au bâtier, ma table de matière, ma bloc tout. Et je vais commencer par la première partie, aperçu et questions juridiques. Comment est-ce que Kabila est devenu riche au Congo? De la pauvreté à la richesse, histoire d'une famille. Côté comment est-ce que Kabila est venu au Congo? Deuxième partie, comment est-ce qu'il a joué le pouvoir dans le numéro 2? Mais il y a une série qui est numéro 1. Parce que il y a toujours la richesse qui est venu au Congo et il y a comment il y a un. Alors, lisons. Je vais lire plus vite parce que ça m'a quand même. Les intérêts commerciaux de la famille sont nombreux et liés entre eux. Alors que certains membres de la famille ont créé des sociétés apparemment indépendantes, bon nombre de plus grands projets commerciaux sont collaboratifs, impliquant plusieurs membres de la famille. Afin de comprendre ces dynamiques, il est utile d'analyser comment ils sont enracinés dans le monde des affaires congolais. Laurent Désiré Kabila est parti vivre avec sa famille en Tanzanie dans les années 70-70. Après avoir pendant des années dirigé sans succès un mouvement rebelle à Fizi dans le Sud Kivu qui s'opposait aux dictatures et rois Mobutu Sese Seko, Laurent Désiré Kabila était un homme recherché, obligeant la famille Kabila à vivre discrètement en exil en Ouganda et en Tanzanie dans les années 90. Le membre de la famille utilisait des noms d'emprunt. Donc, souvent des versions d'un pseudonyme de Laurent Désiré Kabila, à savoir Francis Toile. Vous voyez, Francis Toile. Hein? Francis Toile est gérant de petites entreprises comme de restaurants, de bars ou de stands sur le marché. Ils
Il importait des denrées alimentaires et faisait de l'import, export d'autres marchandises d'origine congolaise qui transitaient par le port de Dar es Salaam. La famille était protégée par le gouvernement tanzanien et se déplaçait d'une maison à l'autre dans les quartiers aisés de la capitale pour éviter d'être repérée par les agents de service de renseignement de Mobutu dans les quartiers, dans les quartiers pour souci des concessions et je n'ai pas pris la bonne page. Voilà, dans des quartiers par souci de concessions et de clarté. Ces rapports mettent l'accent sur les trois principales figures politiques de la famille Kabila Joseph, Jeannette et Zoé, et sur sept autres personnes qui sont censées avoir grandi auprès de Laurent Désiré Kabila et de Sifa Manyanya au Congo et en Tanzanie. Joséphine, Sissi, Céciline, Selemani, Gloria, Mansengo et Make Mokolo Wangoi, aussi connus sous le nom de Maki Wango. Des interviews à des membres de la famille, à des partenaires politiques et des associés de la famille ont confirmé que ces personnes étaient des parents proches de Joseph Kabila. Le rapport traite aussi des biens appartenant à des épouses ou des enfants de ces membres de la famille. Il est difficile d'évaluer la fortune de cette famille avant 1996. Compliqué d'évaluer la fortune Yamouzé. Selon les personnes qui ont connu la famille à Dar es Salaam et selon une biographie, il présentait un grand terrain désormais à l'abandon, Dar es Salaam. Selon une biographie de Kabila, Laurent Désiré Kabila a vécu dans le précaire, même s'il put offrir une scolarité privée à plusieurs de ses enfants. Dans une interview de 2006, la mère de Joseph Kabila a déclaré si la vie dans le maquis était dit, c'était deux fois pire en Tanzanie. On n'avait rien. Je cultivais un petit lopin de terre et vendais mes légumes au marché comme n'importe quelle pauvre femme africaine. Voilà interview Basalaka Mama Sif en 2006. Elle a confirmé par elle-même que non, Basaki n'a pas pauvre en Tanzanie. Basaki n'a pas vivre de l'autre côté. Quand il y a l'autre côté, quand il y a la bassine, il y a des gens qui ont débrouillé dans le marché. Il y a côté de Babilo, voilà Mama Sif. Il est clair que la richesse de la famille considérablement augmenté après qu'elle ait accédé au pouvoir. Selon ma recherche, richesse y a famille et Kobakisama, Tango Bango va commis à pouvoir, Tango Kanam va commis président. Alors, oui, en 1996, une coalition régionale dirigée par le Rwanda, l'Ouganda et l'Angola se formait pour renverser Mobutu. Elle a nommé Laurent Désiré Kabila comme porte-parole et ensuite comme chef de l'Alliance des Forces démocratiques pour la libération du Congo, Zaïre en sigle AFDL. Alliance qui a inversé Mobutu du pouvoir en 1997, lorsque Laurent Désiré Kabila est devenu président, il a immédiatement utilisé de biens de l'État pour récompenser ses alliés pour leur contribution à la guerre, notamment à travers une société appelée Compagnie Mixte d'Import et Export, Import ou Export, ou Comex Bar Congo, et qui est associée à d'autres entreprises de secteur bancaire, minier et de la distribution de carburant. Donc là, on vous a commis président à Congo. Alors, pour nous...
ne pas oublier ses amis, Mouzé a récompensé Kibango, a utilisé Kibabia et Mboka, a pêché Bango le pétrole. Or, l'évasion du Congo s'était fait à partir de l'Ouganda et l'Ouganda, or que l'Angola aussi fait partie. Voilà, aujourd'hui, vous avez quand même un conflit entre Félix Tshisekedi. L'or noir fait défaut parce que Félix a une manœuvre pour récupérer. Or, on a même usé après ça va le Bangolais pour guerre au Bassala Kapuna Mobutu. Donc, les Angolais aussi font partie. Il y a Batoyo, Barinvesaka Mobutu. Et voilà le pourquoi aujourd'hui, Bazar va bénéficier d'un pétrole, il n'y a pas Congo. En tout cas, c'est vraiment à réfléchir sur ce dossier peuple congolais. Alors, l'ancien président de la République, l'ancien président plutôt de la Cour des comptes du Congo a déclaré en 2007 que Comex était un trust d'intérêt privé dirigé par des proches du président Kabila. Donc, Comex, c'est une compagnie privée, c'est là qui juste pour nous servir d'intérêt personnel. Mais entièrement créé grâce à des actifs de l'État. Une enquête parlementaire de 2005 a prouvé que des fonds publics d'un montant de 31 millions de dollars américains avaient été transférés à Comex, une grande partie de quels avait été déposée sur un compte bancaire au Rwanda. En 2005, enquête parlementaire et salami. Après avoir aussi sa enquête parlementaire, Comex Rwanda, pour les Alaki, compagnie Mogo créée par la famille de Kabila. Après vérification, Comex Wana a retrouvé 31 millions de dollars na Kati. Vérification et enquête. Ils ont transféré la banque Moko ya Rwanda. 2005, 31 millions de dollars. Je crois que peut-être c'était la facture que Mbouze a voulu payer au Rwanda. Na ndenge bayaki ko renverser Mobutu. Or, ce n'était pas ce que Paul Kagame rêvait du Congo. Il y a maintenant plus loin, 30 millions c'est peu. Lui, il voyait encore plus loin, plus large que 31 millions de dollars nous a payé ça qui est. Alors, continuons. On va continuer, Balobi. Ah ouais. En 2005, voilà. Une enquête, voilà, 31 millions de Rwanda. Comex. Écoutez. Comex. Voilà, Comex possédait aussi environ 49% de parts dans une société qui détenait le droit de concession de mines et diamants couvrant 710 km² et dont la valeur de réserve s'élèverait à 1,63 milliard de dollars américains. Nous avons eu le pouvoir. Compagnie n'a pas été créée. Comex Oyo, à part Kotinda Mbongo na Rwanda ni Batindaki, Azalaki Lususu mettre les enjeux dans ma matière première. Azalaki na Memuse dans ma concession mine. Na part naye, Azalaki na 49% Oyo et Mandeko compte juste dans la compagnie. Oyo et Zangope sa valeur y a 1,63 milliard de dollars américains. Allez-y comprendre. N'a eu si bien ok, et Micho Oyo et Zali Oza série numéro 1. Numéro 2, et la semaine prochaine, donc parce que nous devons aller petit à petit pour nous couper sa pétan Boulandango calmement. Alors, Balobi Boy. excusez. Voilà, Balobi Boy. La propriété et l'entendu des investissements de commerce, ainsi que son degré et participation dans l'économie congolaise, reste encore inconnu du public. Pratiquement aucune des publications faites sur cette période dans les archives officielles du gouvernement appelé journal officiel n'est disponible. Selon une enquête parlementaire de 2005, la société a été dissoute en 2003 et ses actifs n'ont jamais été complètement recouvrés par l'État. Donc, pour la dissimuler l'affaire, tant que Kabila a eu le pouvoir, il a eu une bonne compagnie comme ex. Pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas que les gens aient
Mozindo ya makambo yango. Abomi compagnon lango. Abomi yango. Et ata crasse moko etrali koye banate. Mbongo tuza la ki na commerce. Ou bien bakambo au commerce et sala. Et yebanite na système na bisho ya gouvernement. Ya komo. A yebite. Comment est-ce que commerce a sala. Moussala na katambo kawana. Soki na kiti mwandambo awa. Malubi na bisho. Après l'assassinat de Laurent Désiré Kabila en janvier 2001, Joseph Kabila est devenu président. Ses frères et sœurs, en particulier sa sœur jumelle Jeannette Kabila et son frère Zoé Obayebani, monsieur Soyebana Raté, son frère Zoé Kabila, se sont alors impliqués activement dans les nombreuses affaires. C'est à cette période que de leurs décisions en matière de commerce ont commencer à soulever de plus graves questions, conflits d'intérêts. Donc, tant que Kabila a eu le pouvoir, c'est alors Bangona va déconner, va lancer, va s'élancer dans le monde des affaires. Alors, Jeannette Kabila a commencé à créer une série de sociétés à travers le monde juste après le décès de son père en juin 2001. Juste après, lui a papa né en 2001. Jeannette Kabila a sabandi ko créé ba compagnie na monde peuple congolais et ça série numéro 1 na ko fongola bino na ko tangela bino po na bo fongwama po boye ba ke mboka wana ezui ezali na otage kanambe azui ba congolais na ba rwandais ba azui biso en otage d'autres tout ça quoi ba donc ça dit pour et nous sommes comme des idiots des bêtes des animaux on suit que les petites miettes ba mo bazala ba grandes miettes et grande richesse 2001, après l'ouai à Mouzé, Baba dit déjà que ça va faire. Elle est passée par un cabinet d'avocats panaméens, Mossack Fonseca, pour constituer une société écran sur l'île de Nuit. Dans le Pacifique du Sud qui détiendrait rapidement de part dans la filiale congolaise de l'opérateur de téléphonie mobile Vodacom. Deux mois plus tard, elle a créé une société au Texas qui a depuis cessé d'exister. Et avec son frère Zoé Kabila, elle a fondé une autre entreprise en Tanzanie impliquée dans l'exploitation minière de pierres précieuses, les échanges de matières premières, le tourisme, les opérations d'échange et l'immobilier selon qu'indique les actes constitutifs. Jeannette Kabila, après le Wa Mouzé, a été à Panama, en Akati à Panama, a été à l'ouki cabinet Moko Abavoka, où à partir du cabinet Wana, peuple congolais a contacté Mouto Abeni na Kombo ya Mossack Fonseca, et à partir de Yabango, a été constitué. Compagnie ou abemi na kombo ya Vodacom. Ba créer ba société d'abord na Panama et puis ba yeko créer société ou abemi na kombo ya Vodacom. Donc Vodacom wana bomona na Congo ezali na part ya famille ya Kabila. Fo sala na bato ndé ba zo sala na bino ba congolais. Donc deux mois plus tard, Zoé Kabila ba yeko sala susu plutôt deux mois plus tard elle a créé un salut sur ce mot dans Texas. Ah, malheureusement, peut-être que les États-Unis sont au boulot, la société existera sur ce mot. La salle qui déjà fait compagnie dans Texas, les États-Unis. Après un mot, Zoé Kabila a lancé dans l'affaire. Quand Zoé a continué dans l'affaire, il a fondé ce qu'on a entreprise dans Tanzanie. Ces gens-là ont beaucoup de biens en Tanzanie, hein? La famille de Kabila. Il a créé une entreprise en Tanzanie. Entre autres, la compagnie va créer en Tanzanie, ils ont le tourisme, échange de matières premières, donc or, diamant, cuivre, coltan, et puis va créer une compagnie immobilière, selon tourisme, et bien, on va créer une entreprise en Tanzanie. Au moment de la. Parce que l'heure est encore avancée. Où ils ont dit premier épisode, la raison qu'il a mis dans le deuxième épisode. En tout cas, soyez patients. Donc, ok, ni l'angoisse, malheur, et vous comprendre là où on voulait vous amener
pour que Bozala au courant comment est-ce que cette famille s'est enrichie au Congo. Nabina bino tokende malé malé. Oza nabina bino moni biska nabina biska botama. Ndenga yoko kota Congo. Ndenga tokende liwa muze. Ah na komko tangela bino kaka ba richesse na ye na famille na ye. Pour nabino ba congolais bomo na ke Bozali penda ba véritable otage ya famille oyo. Troisième mutu, selon kaka vidéo otokosala. Nous allons parler de Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi. Qui est ce monsieur? D'ailleurs, ma caméra est flou, mais tombe quand on parle. On a vu on a Wikipédia parce que Wikipédia des fois on n'est pas sûr, surtout sur le temps minime. Nous pas à salle université, on a des recherches scientifiques des fois, ma boy a kaba, des recherches à Wikipédia quoi. Donc on a une surtout à l'université États-Unis, on a surtout sur le comité là pour ça là, ma bachelor degree, donc c'est dire comment ça, ma licence. La recherche à Wikipédia va considérer à côté. Donc moi, parce que Wikipédia, on trouve comment sans qu'il voyait Bapenda, la référence à Malam. Mais on va lire quand même. Félix Tshisekedi, né le 13 juin 1963, à Léopoldville, est un homme d'État congolais, président de la République démocratique du Congo depuis janvier 2019. Il est élu le 9 février 2020. Premier vice-président de l'Union africaine pour 2020 et président pour 2021. C'est là où Félix Tshisekedi a comme président de l'Union africaine. Il est né en 1963. Alors, fils de l'homme politique Étienne Tshisekedi, il est élu président de la République démocratique du Congo lors des élections présidentielles de décembre 2018. Bien que très controversé du fait d'allégations de fraude électorale, il s'agit de la première alternance politique pacifique depuis l'indépendance du pays. Cependant, des soupçons apparaissent par la suite concernant l'étendue réelle de pouvoir du nouveau président, celui-ci devant composer avec le camp de son prédécesseur Kabila, soupçonné de vouloir continuer à diriger le pays dans l'ombre. Félix Tshisekedi, à Botami en 1963, a été président. Félix Tshisekedi, Oyo. Origine n'a a toujours le flou. Ce que Félix Tshisekedi, le même Félix Tshisekedi, Yewana a commis président à Congo. Entre temps, l'élection au Boyébia Bozala qui contestait, il y a grave. Mais, Batouba Miti National a appuyé en haut, Kagame a pèsé mon ordre, comme il y a comme appelé le roi Nzambe à Congo. Félix Tshisekedi a commis président. Mais, Awawa, dans son temps, il a bien, origine n'a ce qui est étonnant, Awa, Balobi qui est Kabila, on continue à regarder, mais pour continuer à l'ombre. Ce qui est étonnant, on ne mentionne pas plutôt l'objectif fait par Félix Tshisekedi. La biographie de Félix Tshisekedi, Isaac Akaboui. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo est le fils d'Étienne Tshisekedi, d'abord proche de Mobutu, puis l'un des principaux opposants au régime de Mobutu, puis de Kabila père et fils. Né le 13 juin 1963 à Léopoldville, Félix Tshisekedi effectue ses études secondaires à Kinshasa. Alors, référence nécessaire, mais évitez, si on a mis sa référence au Namona, référence au Pessimiso Félix Tshisekedi Sikatanga. Vous êtes arrivé sur cette page en suivant un lien important. Le mention référence nécessaire ou référence est placée un bénévole dans l'article par une non prouvée. Donc, ça dit, prouvé l'autorité, il y a Félix Tshisekedi Soki Atanga. Donc, ils ont non approuvé. Oh, il y a Pesaki Bango par rapport à ses études. Alors, les références demandées doivent être ajoutées dans l'article. Donc, ma syndiqué, ma référence au tout Félix Tshisekedi, à Zopesa Awa, il faut approuver un mot. Alors, ce qui est information, l'information est approuvée parce que, mon yango clarité, il dit Félix Tshisekedi à l'Oba, à ça là. Donc, c'est-à-dire, ils ont essayé un peu de voir et comprendre que. Écoutez, les études secondaires à Pamba, c'est un peu flou. Parce que les références, tu as une référence, et dans la Wikipédia, si tu as une biographie à Félix Tshisekedi, dans la Wikipédia, tu as une Wikipédia, à mon âge, que Félix Atanga te assis à l'école secondaire à Bassangote. Ça y est dans Wikipédia aussi.
Chilobo Wakanambe. Alors, continuons. On a étudié et puis travaille dans des entreprises qu'il a cofondé avec son père. Ah, Barbie Félix Tshisekedi a travaillé dans l'entreprise, il y a papa naïe. Oh, il y a papa naïe. Donc, disons la vérité, Étienne Tshisekedi avait des compagnies. Bon, il a travaillé avec Mobutu. Ça peut ou ça peut pas. Étienne Tshisekedi, Azaki n'a pas compagnie, il va compagnie à Mouindou. Oh, bah, comme on l'a dit, parce que le vieux apparaissait toujours comme un pauvre. Donc, on devait peut-être dans une entreprise, mais on m'a dit Félix, ça va dire qu'on gérait déjà l'entreprise à père. C'est vrai ou faux? Mais moi, je pense que c'est du mensonge. Félix n'a jamais géré les entreprises. Il l'a géré. Et d'ailleurs, parmi les études qu'on dit, on n'a même pas mentionné si réellement Félix Tshisekedi a fait les études universitaires. C'est ici dans Wikipédia, on n'a même pas dit ça. Félix Tshisekedi n'a pas fait les études dans les études universitaires. Biographie à président Edouard Amol. Études secondaires floues, études universitaires, ne tient même pas. Abidara a travaillé dans ma société, ma compagnie, à papa n'est pas cofondant. Ah, les amarabaroka, moi. Alors, avec son frère aussi. Il rejoint les rangs de l'Union pour la démocratie et le progrès social, parti dirigé par son père, puis en devient l'un des cadres. Fin 2008, il est nommé secrétaire national de l'UDPS chargé de l'extérieur, Boyebi. En novembre 2011, il est élu député à Mujimai. N'ayant jamais siégé, il est déchu de son mandat le 18 juin 2013. En octobre 2016, il est nommé secrétaire général adjoint de l'UDPS. On a parcours naïe, il y a moins d'un. Je vais me limiter aussi par là à Paul et à Félix Tshisekedi. Je vous promets, la semaine prochaine, nous allons revenir aussi sur le détail de Félix Antoine Tshilombo. Donc, aucune émission, malembe, la ligne Nathalie Sabino, comment est-ce que la multinationale, basa au Sakana Nambo, Kanabiso, Congo. Le bandit n'a pas eu de boy, il y a fait fois, il y a Mobouzé, il y a Laurent Désiré Kabila, il y a Lumumba. Mais je commence déjà par Kabila, il y a Skaouta, il y a Zui, la richesse à Zosal, à Zan, il y a Lelon, il y a Congo, et puis il y a Zulabino Moutou, il y a Tchélébisso Moutou, il y a comme président de la République. Suivez en tout cas ces émissions, peuple congolais, et vous faites Zulabino Moutou, malam ou malam. Alors, pour clôturer, Awa, coronavirus qui fait son problème, vraiment Makamba Makasi Nakati Ambo Kanabiso, République a démocratisé du Congo, c'est que vous devez retenir ici, Bande Koranga, Oyo Bozali Kolandanga, Awa, mission Oyo, pour n'a tout clôturer, émission Nabiso. Coronavirus, Macky Sall, le président sénégalais, à Sengi-Naba pays occidentaux, ni les dettes d'Afrique, parce que crise, on a l'équipe Makassimingi, l'Afrique va pouvoir foutre la Nouvelle Zélande, il demande aux partenaires, en tout cas, crise, les pays africains, l'équipe, ah, il est le deuxième président africain peut-être à demander l'annulation de la dette, après Thomas Sankara ou Baboma. Lui, il a mis ça seulement dans un tweet. Hein. La dette va au bon maïté pour Thomas Sankara insistait et il disait même qu'il ne va pas payer la dette. Il y a un moment où il va se faire complot au bon maïté, pas français. Bon, si quoi, Macky Sall a tweeté, est-ce que l'Union européenne, les États-Unis, Macky Sall a lobby, il va la dette Afrique. Sur le même dossier de coronavirus, il y a trois décès à Kinshasa. Le décès pourquoi? Décès de trois enfants après purge de Congo Bololo au citron à Mongafula. Ah! Makaba Congo, il y a coronavirus, le corps est trop. Un peu de dose, ma maman Nabisho. Maman Moko a sali Congo Bololo, a tiré un citron à Kati, à Melissabana pour Ezoua Bangote. Ah! Ce que je appelle ça, c'est que je suis un peu de bébé. Moi, où je parle, la femme m'a été arrêtée. Et je crois qu'il y a même une vidéo où ils ont recirculé. Le bassin n'a pas de motif à Melissa Bana, Congo Bolo, Melissa, mais dose sauver l'équipe trop au bon moment. Bassin Sina Sutron, maman a perdu trois enfants dans l'immédiat. Aïe, 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 aïe. Patient. Maman, aujourd'hui, on a dit que tu as la prévention. Ce n'est même pas sa faute. Tu as la prévention pour que tu ne te fasses pas. Tu as la maladie, tu es comme la banane. Parce que une maman ne peut pas faire ça contre ses propres enfants. Sora Sali, maman Mana Sala Kibo, c'était pour protéger ses enfants. Malheureusement, la maman a dépassé la dose.
Pas si. Malade l'hôpital. Gouvernement où il y a Félix, il y a mon yatoroy. Donc ça, il pour la na prévenir. Ah, bien. Ça passe que ma cambouille n'a pas mis au combo. Voilà, trois enfants à se perdre pour la macambouille. Corona, virus, na Kinshasa, maman a l'exidose, il y a corona. Alors, si c'est même à faire encore, il y a un cessez-le-feu qui est demandé. Bah, c'est un cessez-le-feu à voir. Peuple congolais, pourquoi ils ont demandé le cessez-le-feu? J'appelle à un cessez-le-feu général pour une riposte efficace contre le coronavirus en Afrique centrale, Lucenifal, je crois à cause de la Sénégalais, je ne sais pas, parce que la FAL mis les accords à la Sénégalais. Alors, la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies pour l'Afrique centrale, Lucenifal, a appelé un cessez-le-feu général pour une réponse efficace contre le coronavirus 19 en Afrique centrale. La pandémie du coronavirus à laquelle le monde est confronté depuis le début de l'année n'épargne pas l'Afrique centrale, écrit François Lucenifal dans un communiqué parvenu vendredi 27 mars à Radio Okapi. Donc, Bassengi, un cessez-le-feu. Est-ce que ce que un cessez-le-feu, c'est que tu as dit que tu pour l'auteur, on a une photo à ma belle, je ne sais pas qui me sera moi. Et il ne faut pas oublier qu'en Afrique, on est sabaki en Afrique, quand il s'était basé à Pané, au coup toujours les canaux pays occidentaux, en Afrique, vous allez encore plus pire. Et ils pensent que le corona en tant que contre l'Afrique, il faut peut-être réfléchir ma tâche. Je crois que notre bateau, c'est un cessez-le-feu. Donc cessez-le-feu, ça peut-être que le team n'a pas le rôle de l'arme chimique. Le team n'a pas le coup. Donc, au monde, nous sommes revivre là-haut. Vraiment, il faut qu'on ait un peu de temps parce qu'on ne sait jamais qui est qui. Et les États, comme Bazalagana, on a mis des Bazalagana à intérêt. Chacun regarde son intérêt. Alors, Bazo se combat. Nous avons un petit Mikié, nous avons Sibir. Donc, on a l'Afrique, on a besoin de Sibir. Entre temps, on a besoin de la guerre, on a besoin de la chimie. Sur le cas de coronavirus encore, peuple congolais, hier, je vous ai dit. Il fallait que je refoule qui est à Kinshasa. Alors le monsieur s'est expliqué comment il y a eu les kaki. Vidéo et les alli. Wana, ou une de quoi on a expliqué qui, comment on a eu Kabuya. Explicé Lumbashi, Billy Lumbaye annonce qu'il va porter plainte contre le gouverneur Kiaboula. C'est un Congolais. Comment il y a expliqué un Congolais dans ta territoire, dans ta province? Ça c'est. On est en bon pour les Congolais, on est en bon pour les Boudi qui Boudi. D'abord, dans les pays où on respecte les droits et les strictes de la loi, le gouverneur va avoir un problème sur lui. Tu ne peux pas refouler un Congolais dans son territoire. Un citoyen congolais, comment il peut être expulsé au Katanga? C'est violer la constitution. C'est violer la constitution. Tu ne peux pas expulser un citoyen congolais au Katanga. Cela veut dire quoi? Donc ce monsieur n'est pas congolais. Ce qui a saigné ma mais arrêtez-lui là-bas au Katanga. Comment tu expulses à Kinshasa? C'est très dangereux. Et le monsieur dit qu'il va porter plainte. Mais, où est-ce que je suis dans le dossier? Je parle de ma femme de l'amour. Jamais gouverneur n'a pas expliqué citoyen congolais dans le territoire. Ce sont des dossiers où parle de ma femme de l'amour. Le gouverneur. Comment tu expliques ces citoyens congolais dans le territoire? Il a dit la vérité. Que dans un malade de corona, tu es un peu plus de temps. 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 Tu es un peu plus de quel mouibi est tombé dans le Congo? Moutawanga ni nae, abimisi na kat, a refoulé même. Ah, au état de droit. Aïna Kinshasa, à sa interview, a dit que lui va porter plainte pour Nayango, n'est pas refoulé. Et il a indiqué comment est-ce que Makamango est le kaki et comment est-ce que le gouverneur va bien d'acquérir la Mupanzi pour ma pèse à Mbongo, en dit Makaza dans le coronavirus. D'ailleurs, il y a un peu de temps que je suis venu à Corona, le ministère de la Santé, comme il y a un COP, il y a un Sagalati. Alors, pour clôturer, nous avons dit que la frontière est un de ses habités, malgré la guerre, mais la frontière est un peu de temps. Parce que si on a une frontière à Zambie, il y aura des pertes parce que beaucoup de choses
ils ont la Kona et côté à Congo, surtout la matière première à Congo, mais marabillé dans la Zambie. Alors, il ne faut surtout pas que la frontière avec la Zambie soit fermée. Nous ne demandons pas qu'on laisse passer les personnes, mais nous insistons que le marchandise continue de sortir du pays. Avec l'administrateur délégué de la Fédération des entreprises du Congo, FEC, après l'annonce par la Zambie de la fermeture prochaine de sa frontière à cause de l'épidémie de coronavirus. Alors, Ndeko Oyo, Azali, chef d'entreprise à Congo, a syndiqué Bakanga, la frontière était pour ce Bokanier, vous avez un chèque grave pour les deux pays. En tout cas, un manque à gagner pour les deux pays. Alors, la Zambie, ça va dire au Kanga pour le coronavirus, tu évites ceux qui vont faire ça ou bien ils vont faire ça. Voilà un peu le peuple congolais. À travers l'émission Oyo. Alors, Oyezali Kolo, j'ai juste ajouté pour encore ça, moi balance un message, mais retenez bien, nous sommes là pour parler les origines de Joseph Kabila, sa fortune, et puis comment il a accédé au pouvoir, et nous parlons aussi de la fortune de sa famille, nous parlons de, comment on appelle ce monsieur. Musée et plutôt Félix Tshisekedi aussi, ses origines, jusqu'à ce qu'il devienne président. Et on va voir cela là où va nous amener pour un peu éclairer les Congolais concernant l'avenir et un beau cannabiso Congo. Merci beaucoup, la bienvenue pour la bienvenue, d'écouter la bienvenue pour l'épisode Oyo, semaine prochaine. Ciao. Moi, Joseph Kabila, président de la République démocratique du Congo. Joseph Kabila, jina lake halisi kabisa la kuzaliwa, Hypovrite Kanambe. Unaweza ukajiuliza baba yake ni nani? Swali ambalo wengi wao wanajiuliza. Baba yake Joseph Kabila wa kumzaa kabisa anafahamika kwa jina la Adriani Christopher Kanambe, alikuwa ni swahiba mkubwa wa Laurent Desire Kabila. Hata kwenye résultat d'une enquête de plus d'un an sur la fortune de la famille du président Kabila. Des dizaines d'interviews et des milliers de documents d'entreprise ainsi que des documents judiciaires révèlent que Joseph Kabila et sa famille ont constitué un gigantesque réseau d'entreprises qui s'étend dans tous les secteurs de l'économie congolaise et qui a rapporté des centaines de millions de dollars à ses membres, dit Bloomberg. L'espace aérien congolais est fermé. L'espace aérien congolais est fermé. Est fermé. Tout ça sur ordre de Nani Rwandais. Ordre de Nani Rwandais.